réalisé une grande exposition des œuvres de Stéphane Azéra, car ça n'avait jamais eu lieu à Bordeaux et il nous paraissait important de pouvoir montrer son œuvre au public. Pour travailler cette exposition, nous nous sommes dit la meilleure des solutions, c'est de également monter un partenariat avec le lycée Montaigne, car cela nous semblait tout à fait logique, vu qu'il y avait été professeur. Donc nous sommes allés voir Corinne Zabot, qui tient la chaire de Stéphane Azéra, et elle a tout de suite été emballée par le projet, et ses élèves se sont mis à travailler sur notre projet d'exposition, non pour l'organisation de l'exposition, mais pour tout ce qui est médiation culturelle. Ils ont très bien travaillé puisqu'ils ont rédigé un 8 pages qui va servir de livret que nous allons distribuer au cours de cette exposition et qui sera disponible sur demande. Stéphane Azéra était professeur d'art plastique et d'histoire de l'art ici au lycée Montaigne avant notre professeur. C'était un artiste qu'on ne connaissait pas du tout. Du coup, on l'a tous découvert ensemble et maintenant notre but, c'est un peu de le faire découvrir à tous les autres élèves et à tout le monde. On participe à l'exposition qui va se dérouler à Mola. Donc, on a fait les textes et tous les petits carnets qui vont avec. Et pour le lycée, on organise nous-mêmes une petite exposition dans la vitrine qui se trouve à l'entrée du lycée. C'est vrai que la première fois qu'on a vu ses œuvres, on n'a pas tout de suite compris, en fait. Parce qu'il a une démarche très, très particulière et très, très personnelle. Il a une vision de la peinture très singulière. Du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre sa démarche et ses intentions. Chez Stéphane Azéra, effectivement, même si la peinture est très figurative, il y a ce côté conceptuel, qui est très conceptuel justement, qui est lié aux icônes de la représentation, qui est lié à une réflexion sur la représentation, et donc il a fallu que l'on rentre dans cette réflexion. C'est une expérience très enrichissante et c'est vraiment génial de pouvoir participer à ce projet. Assez particulière et une peinture assez fragmentée avec beaucoup de références à l'histoire de l'art. Du coup, nous, on a travaillé beaucoup sur l'analyse plastique des œuvres et on a donné une interprétation assez personnelle de son travail car on n'avait aucune information sur son œuvre, sur lui-même. On a vu sa femme, on a pu lui poser des questions. Mais c'est vrai qu'on a surtout interprété son travail en fonction de nos connaissances à nous en histoire de l'art et avec un regard assez neutre. Et du coup, voilà, on a pu découvrir toutes les références qu'il faisait dans ses tableaux, donc ses références à Ingres, à Michel-Ange, à Vermeer, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était très, très intéressant. À chaque fois qu'on travaille comme ça avec ou une institution ou un artiste, l'artiste vient nous présenter son travail. Comme Stéphane n'est plus là, c'est Hélène qui l'a fait pour lui. Et heureusement qu'elle l'a fait parce que ça nous a complètement éclairés. Et c'était vraiment très intéressant. Les étudiants ont adoré cette rencontre. Je dirais que Stéphane, en fait, il est né peintre. Il ne l'est pas devenu, il est né peintre. Je pense en effet qu'il y a certaines personnes qui ont un talent. Il avait déjà le talent. Et quand même, la peinture était le centre de sa vie, le centre de notre vie. Parce que je pense en effet que quelqu'un qui se marie avec un peintre, c'est presque comme une vocation. Bon, si vous vouliez quelques anecdotes, par exemple, j'étais prof au début. Et puis quand je rentrais de l'école, il y avait par exemple une paire de mes chaussures collées sur le tableau.
pas collé, cimenté. Donc, peu à peu, j'ai compris qu'il n'y avait rien de sacré autre que la peinture. Pour lui, la peinture, avant d'être un objet, la peinture, c'est quand même un verbe, dans le sens où on dit qu'il y avait d'abord le verbe. Et pour lui, la peinture ou l'activité, je dirais plutôt, d'être peintre ou de peindre, c'était une recherche de vérité. Je pense qu'on peut dire dans un sens que son travail était de l'ordre du spirituel. L'œuvre de Stéphane Azéra est extrêmement complète et il a peint pendant toute sa vie. Et il a également fait des films et il y a un film qui sera projeté au cours de cette exposition. Les œuvres que nous avons choisies pour l'exposition qui va donc se dérouler ici, Station Uzone, sont les œuvres de la dernière période de la vie de Stéphane Azéra. Il a peint ses toiles les derniers 6 mois de sa vie. Et c'est un peu un concentré de toute sa théorie sur la peinture. On a choisi une sélection d'œuvres de la dernière série, qui s'appelle Histoire de la peinture, qui reflète en effet ses théories. Alors dans cette série, il prend des éléments de l'histoire de l'art. Je pense qu'on peut dire que cette série, c'est comme un hymne à la peinture. Ce que va voir le visiteur et ce qui va l'impressionner, c'est quand même la beauté de cette dernière série. Et je me souviens encore une petite anecdote avec, on avait un ami sculpteur espagnol qui s'appelait Ramon Monzón. Et c'est vrai que Stéphane, toujours un peintre à faire sa recherche, il recherchait toujours et Ramon lui disait: mais Stéphane, mais ça pourrait être beau si seulement tu n'avais pas mis ce truc-là. Et Stéphane disait, et je pense qu'en effet, il avait raison, Ramon, mais je pense que Stéphane faisait exprès de ne pas faire beau parce qu'il avait une suspicion par rapport à ce qui était beau. Mais dans cette dernière série, c'est comme s'il s'est laissé aller à la beauté. Voilà, et je pense que le visiteur va être imprégné de cette beauté. C'est comme si un petit peu il a laissé tomber les bras. Et on peut penser que laisser tomber les bras, c'est la chose la plus facile. Mais finalement, je me demande si ce n'est pas la chose la plus difficile, de se laisser aller à la beauté.